Salut les amis, aujourd'hui dans le nouveau tuto de DJ Zelda, nous allons parler de la... Tout d'abord, pour bien commencer, un bon compositeur doit savoir jouer de trois instruments différents. Petit 1, la batterie. Petit 2, le piano. Petit 3, le chant. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi le chant? C'est très simple, le chant permet de vous exprimer de l'intérieur, de vous évacuer et enfin découvrir l'état pur de votre... Dans un premier temps, les amis, il vous faut de la rythmique. Qui dit rythmique dit batterie. Qui me dit, ben moi j'ai déjà fait un compo, mais il avait fait de batterie. Oui, ça me va, j'écoute. Bah, si, moi je fais de la compo, mais j'ai jamais fait de batterie. Hein. Hé, hey, toi là en bas. En second lieu, un instrument qui vous sera pratiquement indispensable, c'est le piano. Bien sûr, essayez un peu plus grand. Et en dernier lieu, le chic. Ça peut être des produits comme de la contrefaçon. Ce que vous allez voir sur ces images est rare. Il s'agit d'une transaction pour une livraison de hashish. Le grossiste vient chercher la marchandise. C'est juste à l'heure. 35 kilos de cannabis. Vous allez quand même pas prendre l'invité DJ que le shit est bon pour la compo. Bah si, moi ça m'aide very good grave pour composer. Et dis-moi, tu veux un petit remède pour la compo? Bah ouais, vas-y. Headshot. Et en dernier lieu, le ch... Ah oui, j'ai oublié de bien s'échauffer la voix. Conseils de Zelda et TDJ vous ont bien servi. Et même si vous n'avez pas aimé la vidéo, bah vous nous rejoignez quand même sur Facebook. Allez, tchuss les amis! You need your sword to work another round.